Un projet long de 4 ans qui est enfin lancé. À l'origine de cette construction, la modernisation de l'agence Crédit Mutuel de Neufgrange. Finalement, elle sera intégrée dans ce nouveau bâtiment de 1600 m² conçu par Auer Corporate. Il comprendra des cellules commerciales et des bureaux. Le bâtiment aura pour nom l'Attique et est situé à l'entrée de Neufgrange, à proximité de Rémelfin et Siltheim. C'est très stratégique effectivement pour les entreprises. On est entre l'Alsace, Sarreguemines, Neufgrange. C'est toujours des points stratégiques qui sont vus, beaucoup de voitures qui passent effectivement devant. Ça nous permet de faire du bâtiment neuf qui est énormément recherché en ce moment, surtout des grands plateaux qui sont bien sûr accessibles, économes en énergie. Donc oui, c'est toujours des beaux emplacements. C'est un petit peu, les Américains disaient toujours, ce qui est important c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On est sur un bel emplacement. Les travaux ont débuté avec le terrassement et le décapage de la terre végétale. Le gros œuvre devrait démarrer en janvier. Le bâtiment rappellera l'esthétique du rooftop situé à la Rotherspitz à Sarreguemines, avec du cuivre et la même architecte d'extérieur. Des panneaux solaires seront installés. On sera un des bâtiments les plus économes effectivement du coin. On a quasiment 400 m² de panneaux solaires qui viendront presque couvrir le besoin énergétique pendant 8 mois de l'année. Les travaux devraient durer un an. Il est prévu que l'agence bancaire prenne possession de ces nouveaux locaux fin 2024.